Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Mind Test for Fun pour la suite de notre petite maison romaine qui, mine de rien, a déjà bien progressé, hein. Alors, je vais pas vous cacher, c'est la troisième fois que je tourne cet épisode. C'est pour ça que ça a pris un petit peu de temps. En fait, tout simplement, j'étais moyennement satisfait de ce que je disais. J'avais tellement peur de dire des bêtises que j'ai pas osé vous le présenter au final. Je sais maintenant que je disais pas trop de bêtises. Mais enfin, voilà. Donc, j'ai construit un petit mur d'enceinte qui nous mène dans un grand jardin. Voilà, qui se trouve juste à côté de la maison, hein. Pour vous situer dans l'épisode précédent, on est l'entrée de la maison, elle est ici. Ok, voilà. Ah oui, il y a toujours ce panneau, ouais, TMG pour plus de prospérité. Seulement, je m'étais dit, en fait, ouais. C'était pas gigantesque hein, quand même, donc on pouvait faire plus grand, plus joli. Donc j'ai construit ce mur d'enceinte qui mène dans le jardin. Et alors ça pour le coup c'est un truc que les Romains aimaient bien avoir un jardin fermé comme ça, assez grand. Et d'un point de vue historique, ça pourrait vouloir dire que les mecs ils avaient un... Ça pourrait tout à fait être une maison rachetée par un grand propriétaire. Hein. Donc une petite maison de base avec une petite cour intérieure. Et puis en fait elle est rachetée. Et au final, on en fait quelque chose de d'un peu plus grand et badass. Voilà. Du coup, on arrive à cette grande truc qui, bien sûr, doit avoir une utilité. Ah oui, je vous ai mis des statues aussi là. Je trouve assez sympa. Petite, mais plutôt détaillée, hein, vu le nombre de blocs. Pas vous dire de bêtises, mais il y en a 5. 1, hein. 2, 3, 4, 5. Ouais. Donc on a 5 blocs sur une statue. C'est vraiment minuscule. J'ai pas encore fait la suite. Par flemme, puis je savais pas encore où je les mettais exactement, si je les gardais là au milieu. Elles pourraient être très bien aussi en fait au milieu des jardins. Donc je sais pas encore exactement ce qu'elles vont devenir, mais enfin le modèle est assez cool, je trouve. J'en ai profité aussi pour transformer ce jardin en usine à fleurs un peu plus efficace qu'une usine standard. Il me suffit de garder une fleur de chaque et je sais que je pourrais récupérer un peu toutes les autres couleurs qui sont là très facilement. Voilà. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, on va déjà regarder par là. J'ai fait une grande entrée. Je me suis dit, finalement, si on arrive sur une exploitation agricole qui se serait agrandie, ce serait logique qu'on ait des écuries. Alors, des écuries, pourquoi? Déjà pour les chevaux. Hein. On va mettre un peu de lumière quand même là. Alors, évidemment, pour l'instant, dans Mind Test for Fun, on n'a pas de chevaux. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on a des nouveaux mobs qui sont apparus. On reverra ça un peu plus tard. Voilà donc. Quatre petits enclos comme ça, on verra encore ce qu'on fait. Je vais rajouter un petit peu de déco pour faire joli, n'est-ce pas? Et aussi, j'ai déjà fait en hors caméra, je me suis amusé à faire des logements pour nos amis les esclaves. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont juste à côté des chevaux? Tout simplement parce qu'ils sont bien traités. Je m'explique, les esclaves en fait à l'époque romaine. C'était finalement un peu de la marchandise. Hein. Alors oui, on savait que c'était des êtres humains, mais on partait de l'idée qu'ils n'étaient pas dotés de conscience, hein, que ça posait aucun problème. Et c'était bah, comme du bétail, quoi. Je veux dire, ça pouvait se revendre, s'acheter. Suivant les périodes, c'est même possible de les tuer comme ça, juste pour... peut-être pas pour le fun, mais enfin, l'esclave faisait une bêtise, pas de problème, on le liquidait, au revoir, terminé. Après, en général, on ne le faisait pas. D'ailleurs, il y a eu des lois qui m'ont quand même interdit de tuer ces vieux esclaves ou de s'en débarrasser. Ou de s'en débarrasser en les revendant à quelqu'un d'autre. Mais voilà, enfin, c'est la triste époque romaine. Donc, j'aurais fait des tout petits logements là. Donc là, je pense qu'on peut bien entasser une dizaine de personnes hein, là-dedans. À mon avis, ça pose pas de problème. Voilà, on va peut-être juste en profiter pour faire des escaliers. Est-ce que j'en ai 6, ça suffit? Ouais, on va dire que oui. Par contre, où est-ce que j'ai la place? Bon, allez, cobble, au revoir. Ah, oui, je peux prendre ça aussi. Voilà, 6 escaliers. Et on est content. Tac, yes. Ah, pas yes finalement. Voilà, c'est mieux. Comme ça, on peut monter. Oui, ça aide quand même. Ouais, donc là on pourra mettre 2-3 lits. Je pense qu'ici on va en mettre aussi un ou deux. Après, est-ce qu'on va faire des vrais lits? Je ne pense pas, hein. On parle quand même de... On parle quand même pas
pas d'être humain à part entière, si on veut bien. Par contre, ce qu'on pourra ajouter, ce sera aussi un étage supplémentaire. En fait, j'ai déjà fait même. Je vais plus vite que je crois. Ah, d'accord. Ça, j'ai pas le droit de garder non plus. Ok, au revoir. Tac. Et là, on pourra aussi en remettre une couche. Pourquoi il y a cette dirt là? Je ne sais plus. Mais là, on pourra aussi remettre une couche, hein, tout là en haut. Histoire d'avoir quelque chose de d'assez grand pour loger tout ce petit monde. Ce sera pas plus mal. Tac. Allez. Hop, 6 x 6, ça me fera 36. Qu'est-ce que je peux jeter? Toujours un peu la même chose. Bon. Vous savez quoi? Les œufs de poulet. Bye bye. Ah, bah j'en ai là des. J'ai des slabs. Parfait. Alors, on va avancer un petit peu ce sol. Voilà. Je pense qu'on va pas faire gigantesque non plus. À nouveau, c'est vraiment juste le logement pour eux. C'est probablement pas la partie la plus intéressante dans la mesure où ça doit rester un peu petit et fermé. Par contre, ça va être intéressant à meubler puisque, du coup, vu qu'on est dans quelque chose de pas très grand, et ben ça va poser des petits défis dans l'agencement. Ok, alors là, je pense qu'on est pas mal. On va longer ce mur-là. Et après, on va rejoindre ici. Il y aura un étage supplémentaire hein, pour la famille de la villa. C'est bien une villa, c'est pas une domus. Hein. Voilà. Autre chose. Bon, là, je profite pour faire un peu de parcours sur les piliers parce que c'est rigolo. Ici, on a une grande zone ronde que j'ai mise. Qui sera, je pense. Enfin, j'hésite encore entre des terres, mais une bibliothèque. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'aurais assez envie de mettre une bibliothèque ronde, mais je me dis en même temps une piscine bien ronde. Là, ça peut être très très sympa. Alors, je répète, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et on mettra bien sûr en dessous. Un truc dont j'ai bien sûr oublié le nom, enfin une espèce de four géant qui se faisait vraiment à l'époque. Hein. Ce qu'on faisait, c'est qu'on construisait le bâtiment, puis dessous, on plaçait toute une zone avec creuse, un peu comme on voit ici, mais sauf que là, ça va être rempli bien sûr. Et on faisait du feu là-dessous pour réchauffer l'eau dans les thermes et des petits thermes privés comme ça, donc ça existait, ça posait pas de soucis majeurs. Voilà, est-ce que là-bas. Oui, là-bas, ça a un peu évolué aussi, on va aller voir ça juste. Après, voilà, et ici du coup, ce serait l'autre partie, donc je pense la bibliothèque. L'avantage de mettre une bibliothèque de ce côté-là, c'est qu'on est très loin du début de la falaise, donc c'est un endroit qui est peu accessible. Donc, un méchant voleur qui viendrait piquer les. Un méchant voleur qui viendrait ici pour me piquer mes affaires, finalement, il serait. Pour piquer des livres, eh ben, il aurait de la peine quand même. Voilà. On va enlever un peu ces torches là, c'est n'importe quoi. Je crois que c'était pour faire genre coucou à Farfadet quand il construisait en bas. Voilà. Et on va aller voir là-bas en bas, en espérant qu'on ne tombe pas sur un méchant requin. Parce que maintenant il y a des requins! Wouh! Plouf! Ok, alors, nous sommes toujours en zone protégée, jusque-là tout va bien. Alors, j'aimerais bien voir le requin avant qu'il me touche quand même, ce serait pratique. Là, on est sorti, donc on est en zone dangereuse. Bon, il y a des hommes des neiges là-bas. Alors, je ne sais pas où apparaissent les requins pour le coup. Hein. Si ça se trouve, ils apparaissent pas dans l'eau où il y a de la glace, ou bien. J'en ai aucune idée. Mais je vous avoue que ça fait assez flipper de savoir que maintenant, se promener comme ça peut devenir super méga dangereux. Enfin bon. Tchic-tchic-tchic. Bon, là, je vois rien. On va pas se plaindre si on voit pas les monstres, hein, je veux dire, apparemment, d'après ce que j'ai compris, ils sont super méga voraces. Ces gens, ils arrivent, ils vous bouffent la main. Puis si vous restez, ils vous bouffent le bras. Voilà. Et pendant ce temps, donc, on a dit qu'on allait voir. Farfadet nous a construit une. Enfin, j'ai fait un tout petit peu, mais globalement, c'est quand même lui qui a fait tout le boulot. Un magnifique port. Moi, j'avais fait juste le bateau qui est là, en fait, plus un petit bout du quai, mais. Voilà, avec des entrepôts. Ok, alors j'ai même mis magnifique, bravo Farfadet, signé Cyber. Il m'a répondu merci, oh, merci Farfadet, merci de m'avoir répondu. Tiens, je reprends ça parce que voilà, on va pas laisser ça non plus 12 siècles. Voilà, et donc on a des super entrepôts avec des caisses. Moi j'adore ça, franchement, c'est niveau réalisme, c'est juste top. Alors évidemment, ça n'a pas de fit avec la maison romaine, mais après, on la voit de très loin. C'est pas un problème, mais je pense que la plupart des joueurs ne la voient même pas du tout alors qu'on est assez proche. Bureau des douanes. Oui, nous avons un bureau des douanes avec
de la dirt, un shared chest. Enfin bon. Et de ce côté ici, nous avons son usine à lui, que apparemment on peut plus accéder, dommage. Ah, j'hésite à faire un petit glitch pour rentrer, mais je me dis peut-être qu'on peut passer par à côté. Ouais. On peut passer par, on peut voir un petit peu. Il a mis une quantité monstrueuse de coffres, je sais pas encore ce qu'il y aura dedans. Nous verrons ça en temps voulu. Ok. Quoi d'autre? Blablabla. Bah écoutez, je crois que c'est déjà pas mal hein, pour tout ce qui est visite. Comment je ressors de là maintenant? Comment je ressors de là? Ok, on va faire comme ça. C'est pas grave. Je me retéléporte dans la... dans l'usine. Usine qui d'ailleurs a un problème assez marrant, c'est que la... l'obsidienne, de l'obsidienne se forme parfois à partir de la... de la truc, mais comme ça, de façon random, hein, elle prévient pas d'un coup. Oh non, j'ai plus envie d'être de la lave, je deviens de l'obsidienne. Et pourtant, elle est super loin de l'eau, donc... je sais pas pourquoi, hein, parce que la lave, concrètement, elle est là en haut. Et donc, elle est 3 blocs au-dessus. Alors maintenant, je peux malheureusement rien faire pour empêcher que ça tourne de temps en temps. Et je n'ai plus de lave, donc j'ai pas envie d'aller rechercher tout de suite. Parce que j'ai la flemme. Voilà. Par contre, je peux replanter du maïs, ça c'est bon pour la santé. Ah bah oui, là je peux prendre du maïs. Tac, tac. Non, j'ai pas voulu échanger. Agnotti. Ok. Alors ça pour le truc, ça, pour le coup c'est un comportement que j'ai de la peine à comprendre. C'est pourquoi quand j'aimerais remplacer quelque chose par autre chose, il commence par les inverser. Ok, ça on fait pousser. Ça, on va en mettre dans le système. Voilà, c'est bon pour la santé. Ça n'aura qu'à cuire. Où on est? Ah oh là, il n'y a plus de... Ok, il n'y a plus de cobble, il n'y a plus de stone, il n'y a presque plus de... Oh mon dieu. D'accord, c'est pratiquement vide en fait. Ok, par contre le bois, ça c'est très très bien produit, c'est cool. Ça fait plaisir. Et puis j'ai aussi une masse de pommes, masse de maïs à manger. Je reprends un peu. Ouais, celui qui reste là, on se l'enfile. Au revoir, merci. Ok, bien. Alors, sur ce, nous allons retourner par là-bas. On va voir si on se voit un requin quand même. Ah mais non, parce qu'on est en zone du spawn là. J'aimerais bien trouver un requin juste pour voir à quoi il ressemble. Le problème, c'est que on se met en danger hein, si on fait ça. Tiens, alors là-bas, il y a un truc très bizarre. Bah, une grosse tour de un bloc. Ouais. J'ai vu plus joli. Ah, il y a une nouvelle maison qui se produit là. Dans un petit pétard. Alors c'est quoi ça? C'est à qui? On ne sait pas, on ne saura pas. Peut-être que là, il y a des noms. Tiger. Ah, Tiger, ok, ouais. Je crois que je vois qui c'est. Par contre, la grosse tour de 1 par 1, là, franchement... Bleh. Je sais pas ce qu'il a fumé, le mec, c'est... Oh, je veux de la... Ah oui, voilà, j'ai compris. Oh, je veux le Nyan Cat. Oh, je vais chercher le Nyan Cat. Oh, je vais laisser ça, là, comme ça. On verra si ça reste. Si ça reste, ça, c'est... C'est pas bien. Eh, il y a des nouvelles choses qu'on poussait là-bas aussi. Non, de bleu. Au final, on va se faire un épisode visite, je sens, parce que... Je découvre plein de trucs comme ça. Mais c'était pas le but à l'origine. Tac. Ouais, toi, t'es dans l'eau. Tu peux pas rester vivant. T'es dans l'eau, tu peux pas rester vivant. Au revoir. Bah, je t'ai prévenu en même temps. Hein, je l'ai dit deux fois. Je pense que... Je crois que je vois... Je pense que c'est la même personne que celle qui a fait là-bas. J'ai oublié. Ah, maison ultimate noob. Voilà. C'est bien ça. Ultimate noob. Ok, je me fais poursuivre... Coursuivre, courser, poursuivre. D'accord. Ouais, il y a une jolie truc là-haut qui a poussé. J'arrive pas à voir ce que c'est. Est-ce que c'est juste une maison fantasy ou est-ce que c'est vrai. Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on pourrait reconnaître. Ah, il y a un système d'escalier là. Je l'ai pas vu en arrivant. C'est dingue. Non mais j'ai juste rien vu en passant. Ok, auto pour moi. Well done. Alors, qu'est-ce qu'on a là-haut? Allons voir. On a des escaliers qui montent. Ouais. Ok, est-ce que... Ah ouais, c'est Ultimate Noob. Ok. Waouh. Alors, c'est pas tout à fait dans le style hyper réaliste, mais alors, le concept est très sympa, je trouve. Pardon? C'est ça qui fait mal?
Ça fait très mal en plus. Ah ouais. Bobo. Ok, alors. Ouais, c'est sympa, c'est sympa. Ok, bon. On va quand même retourner au sport, tiens. Bah, ça fait déjà 15 minutes. Ah. On va essayer de faire vite. Ah, je me disais. Des fois, ça marche pas la première fois qu'on clique dessus. Je crois qu'il faut pas chercher. Pourquoi ma santé ne remonte pas? Ah oui, elle est remontée, j'étais à 13. Pardon, rien dit. Alors, pouf. Ouais, on trouvera une autre fois des monstres. J'ai bien envie de faire une fois une sortie un peu. Une sortie avec les monstres. Mais pour l'instant, j'aimerais bien faire un peu de build. Tac. Est-ce qu'on se met tout de suite des portes? Il faudrait des portes de 4 de haut. Ça, j'ai pas. Je verrai ce que j'en fais. Ouais, alors vous savez quoi? Je pense qu'on va monter un peu ce mur là. J'ai bien envie de faire ça. Alors, faut juste que je retrouve. Ok, le pattern. Donc, il va me falloir de la brique rouge là. Le problème, c'est que si je mets des 14 sur 16, comme j'ai déjà mis là, qui font un petit relief tout joli, tout sympa, on va avoir un souci avec l'extérieur. Donc, on va regarder ce que ça donne. Ah, peut-être que j'ai une idée sympa. 14 sur 16, 14 sur 16. Ah, d'accord, mais c'est. Oh là là, mais j'en ai beaucoup trop en fait. Ok. Du coup, j'ai que de la 14 sur 16 sur moi. On va essayer. On va essayer. On va voir ce que ça nous fait. Voilà, donc là, en fait, ça me fera quelque chose comme ça. Et il faudrait ensuite que je m'arrange pour ne jamais manger le mur. Donc, là, il faudrait que je remplisse avec autre chose. On va essayer comme ça. Tac. Voilà. Ouais, je pense que ça peut être sympa au final. Pas trop choquant en tout cas. Ouais, non, ce sera clairement une zone thermale au final. Il y a trop de. C'est trop proche de l'extérieur. Tac. Trop vulnérable pour mettre des livres. Je veux dire, enfin, moi, si j'étais romain, livre, à mon avis, ce serait un des trucs les plus précieux que j'aurais. Donc, pas le truc le plus précieux, mais en tout cas largement assez pour que je m'en soucie et que je fasse pas n'importe quoi avec. Ok, alors là, par contre, on va les mettre, pas dans ce sens-là, on va les. Je crois qu'on va garder cette illusion-là. On va les mettre dans ce sens-là. C'est beaucoup mieux. Voilà. Autre chose, je suis un petit peu désolé pour la fréquence des épisodes. Malheureusement, ça c'est mes études, je ne peux pas les laisser en plan. J'ai intérêt à travailler dur si je veux réussir dans la vie, paraît-il. C'est ce que ma maman m'a appris. Tac. Ok. Voilà. Mais il faut bien jouer de temps en temps quand même. Voilà. Ça, c'est dit. Et puis l'intérieur. C'est très 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 pierre quand même. Je pense que j'en mettrai encore une couche de plus. On verra parce qu'il faudra décorer tout ça. Après, ça peut être une couche très fine et qu'on n'ait pas forcément l'impression qu'on est enfermé. On verra comment on fait après. Alors, toi, là, tu montes comme ça. Ensuite. Non, c'est pas de la stone brick. Et voilà, top. Et ici. Écoutez, je crois qu'on va faire. Voilà, le mur il va continuer comme ça directement. On va pas s'ennuyer du coup. Tac. Ouais. Et du coup, bah là, je m'étais un peu renseigné hein, quand même pour une fois sur les maisons romaines comment ça marche. Je dis pour une fois puisque j'ai l'impression là, d'un point de vue historique en tout cas, de pas faire trop n'importe quoi. C'est toujours un peu le souci. Il y a des fois des vidéos que je regarde de certaines personnes. Y compris des grands youtubeurs, hein, mais des fois ils ont juste pas le temps, alors ils nous sortent des trucs architecturaux sur telle ou telle chose qui au final sont pas forcément exacts. Moi aussi, hein, d'ailleurs, je peux en dire des conneries. Et moi je trouve ça un poil dommage parce que, ben, quitte à construire un truc, on dit que c'est telle ou telle civilisation, tel ou tel truc, autant faire quelque chose d'aussi réaliste que possible. Enfin bref, ça c'est mon point de vue. Bon, j'ai déjà plus de stone brick, hein. C'est galère, ma bonne dame. Bon, on va aller vider tout ça. Eh mais ça fait déjà 20 minutes hein, qu'on est ensemble. Mine de rien, le temps passe méga vite. Je pense qu'on va pousser à 30 pour cet épisode, puisque.
puisque ben voilà, j'en fais plus tous les jours. Alors ça c'est cool là, je crois que c'est Ultimate Noob qui continue à me fournir régulièrement. Donc à chaque fois que j'arrive, je trouve des nouvelles choses dans mon coffre là. Ah oui, je ne sais plus que 25 x 4, ça fait... Voilà. Ok, bon. Pouf, 96. Si vous n'êtes pas d'accord avec ma façon de compter, venez apprendre mon français. Voilà. Oui, c'est toujours un truc qui me fait marrer. Je sais. En fait, apparemment, d'après ce que j'ai compris. Fin... Bon, nous les Suisses, de toute façon, on a toujours des langues un peu différentes des autres. Hein. C'est assez classique si on veut. Typiquement, la langue la plus parlée en Suisse est le suisse-allemand. Et en fait, c'est une espèce d'allemand totalement bidouillé avec une impression que le type qui parle en face de vous a tout le temps mal à la gorge. Il se... Non, c'est pas ça. Il y a des... comme ça. Et c'est très... C'est assez guttural comme langue. C'est pas désagréable, hein, mais enfin, ça fait un peu... Ouais, quand on l'entend comme ça sonne un peu... Je sais pas comment dire, mais enfin, c'est pas de l'allemand. Et en fait, les Suisses italiens, d'après ce que j'ai compris, donc qui habitent au Tessin, le canton où on parle italien, ne parlent pas exactement italien non plus. Et ça, j'ai appris hier en parlant avec quelqu'un qui, justement, vient du Tessin, ou en tout cas, y a habité un certain temps. La langue tessinoise n'est pas exactement l'italien standard. Donc, ils n'arrivent pas forcément toujours à se comprendre. Alors que nous, les Suisses romands, on a de la chance. On s'est fait envahir par Napoléon il n'y a pas si longtemps que ça. Et on n'a pas eu le temps de diverger assez pour plus pouvoir se comprendre avec des autres avec les autres francophones. Donc ça, c'est assez cool. Sauf sur certains petits détails où on a gardé nos façons de compter, enfin, en particulier, hein. Pour moi, quand on me dit 90, je dois réfléchir pour retrouver que ça fait 80, donc 80 plus 10, donc 90. Et moi, ça me fait marrer. Voilà. Je parle, je parle, je parle. Alors, pendant ce temps, mon petit mur avance, ça c'est cool. Voilà. Autre chose, j'ai réfléchi un peu. Bah, j'avais fait un live sur Twitch, hein, sur le Skyblock, qui a moyennement marché, puisqu'apparemment, il faut absolument avoir un compte Twitch pour répondre en fait dans le chat, ce qui est quand même super handicapant. Donc je suis très emprunté pour les lives. Pour l'instant, je vais pas en refaire tout de suite. De toute façon, j'ai malheureusement pas assez de temps pour ça. Mais si j'en refais, je vais réessayer sur Google, enfin sur YouTube, à voir après si je les contacte pour leur dire, hé, les gars, vous foutez du monde. J'ai des gens dans mes abonnés qui n'ont pas le droit de regarder pour des raisons soi-disant de droit. Et pourtant, il n'y a pas de. Il n'y a pas de raison, quoi. Je veux dire, j'essaie d'être aussi réglo que possible avec les droits d'auteur. Les deux ou trois fois où j'ai été signalé, c'était pour des musiques diffusées sur MFF qui appartiendraient soi-disant à un groupe dont j'ai oublié le nom. J'ai bien dit qu'ils appartiendraient, pas qu'ils appartiennent. Puisque sur le serveur, on a clairement un fichier qui donne la licence qui dit que oui, on a le droit d'utiliser cette musique. Hein. Donc voilà, à mon avis. Ça peut être un peu comme les mecs qui se sont arrangés pour faire breveter le miaulement de chat pour que... Je sais pas si c'est vrai cette histoire, mais enfin j'en ai entendu parler une fois. Pour voir, enfin pour récupérer des sous, des pubs chaque fois que quelqu'un diffuse une vidéo avec des chats. Hein? Voilà, YouTube Money, YouTube Money. Bon, tac. Ça c'est un petit peu galère à faire. Ok, on va faire un truc bien joli comme ça. Est-ce que je mange un de large comme ça? Oui, je vais le manger. C'était pas vraiment ce que je voyais à la base, mais à mon avis, c'est ce qui donnera le mieux. Bon, j'aimerais quand même un peu de lumière. Merci beaucoup. Tac. Et on continue à poser. Voilà, est-ce que là on repart direct? Oui, je pense. Là, et puis là, en fait, on va continuer le mur en longueur comme ça. Et ici, on se mettra une. Ouais, quoique. Je voulais mettre en fait une petite pièce là avec la vue. On n'est pas les premiers à aimer les belles vues qui valent très cher. Enfin, qu'on fait du coup, qu'on dit que ça vaut très cher. Les Romains étaient très friands de ça aussi. Et du coup, c'est vrai que...
Ben, avoir une belle vue comme ça, enfin, faudra qu'on vire un peu toute cette glace une fois. Farfadet, si tu m'écoutes, on va le faire! Une fois. Ça donnera lieu sûrement un super timelapse. Faut savoir quand même que j'ai essayé de faire un timelapse qui bouge. Je m'étais dit ça pourrait être ça sympa. Et ça a complètement foiré. Alors pour l'instant, pas de timelapse là-dessus. Mais ça viendra. Ouais, on va faire comme ça. Puis on mettra des fenêtres après, hein, bien sûr. What the hell? Je ne veux pas tomber. Je veux rester vivant. Merci. Ok, au niveau mur, là, ça joue, hein. Ça joue bien même pour l'accéder au bain thermaux. Là, pour l'instant, il y a une grande ouverture. Je pense qu'on la fera plus petite, où il y aura une porte d'accès directe. C'est genre le type qui rentre des champs puis qui vient se décrasser. Enfin, je parle pas des esclaves, hein, bien sûr. À nouveau, je parle du maître de maison, celui qui a les sous et la maison. On ne le dira jamais assez. Bon, bah écoutez les amis, voilà, je n'ai plus de pierre. La fin du monde est proche. Est-ce que je vais regarder? Ouais, je peux aller voir là-bas peut-être. Poum poum poum. Par contre, les distances sont super méga longues maintenant. Je crois savoir que dans Minecraft, on va plus vite que ça à pied. Même que ce soit en courant ou en marchant. Après, je me suis pas amusé à calculer quelle vitesse on va, mais. Non, ça j'en ai besoin. Je vais pas l'enlever. Agnotti. Est-ce que je continue? Ouais, je vais continuer tout de suite le pattern, je pense. Mais j'ai rien. Ouais. J'ai la sandstone. J'ai les sandstone slabs, ça c'est bon. Ouais, allez, on va continuer avec ça puisque je le trouve. Ah oui, ça c'était quelqu'un. Je ne sais plus qui tu étais, mais c'est ton stuff qui est là. Si jamais, viens le. Contacte-moi, viens le reprendre. Si tu me vois. C'est le mec qui m'a dit, ah oh ouais, de toute façon, je peux aller au Nether, y a pas de problème. Puis il est parti au Nether, puis après. Après, je sais pas. Mais bref, il m'avait filé tout son stuff. Alors. Ah oui, forcément. Là, ça va être le même problème. Non, j'y mets pas comme ça, chef. Bon, lumière, déjà, pour commencer. Oh mon dieu, on va monter un peu. Hop là. Alors ça remonte. Et puis là. Est-ce que c'était vraiment comme ça? Non, mais est-ce que c'est grave? Non plus. Je peux essayer de les mettre dans l'autre sens. Ah, mais est-ce qu'elles étaient pas? Non, elles sont clairement enfoncées dedans. Donc il faut que je retrouve la bonne façon de les poser. Ah, je suis rouillé. Je suis rouillé. Tout va bien. Tac. Allez, on pose tout ça. Voilà, reprenons. Lui, alors, on les reprend. C'est assez cher comme ça, hein. Surtout que j'ai plus d'usine pour l'instant. Il faut vraiment que je la remette en service, hein. Ça sera une bonne chose à faire, mais ça je ferai hors caméra. Je pense pas que ça vous change grand-chose. Est-ce que je fais comme ça? Je pense qu'on va plutôt la mettre dans l'autre sens quand même. Avec ses copines. Ouais, ce sera plus judicieux, n'est-ce pas? Tac. Voilà. Et on est bientôt aux fameuses 30 minutes. Ouais, mais ouais, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la maison dans les commentaires, hein. Moi, j'aime bien interagir avec vous. Je préfère. Limite, je préfère qu'on me dise ah, ta maison elle est deg plutôt que super épisode, merci beaucoup. C'est pas que j'aime pas qu'on me dise que l'épisode est super, ça me fait très plaisir aussi, hein, mais c'est juste que si j'ai un retour, ça me permet aussi d'améliorer l'épisode ou d'améliorer mon niveau de construction ou ce genre de choses. Je sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de dire, mais enfin bon, voilà. Bon, là j'arrive pas. Bah écoutez, on va poser ça comme ça pour l'instant. Voilà, un petit peu galère, hein. Et poser ces blocs-là parce qu'ils sont. Non, vous voyez, si je le pose pas sur un mur déjà construit, il n'est pas d'accord. Donc, on va mettre ça. On le met lui. Alors après, oui, bien sûr, je connais le tournevis. Hein. On me l'a déjà montré une fois ou deux, mais. Mais je suis vraiment pas fan dans la mesure où c'est pas indispensable. En général, avec le tournevis, je dois faire à peu près 12 clics pour réussir à trouver la bonne orientation. Je préfère tout de suite avoir les choses dans le bon sens. Bon, tac. Non, il faut pas que je sneak. Voilà.
La 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 la. Et la prochaine fois, du coup, nous ferons des bains thermaux. Nous ferons les bains thermaux. Je pense que ça peut être très sympa. On va faire quelque chose d'aussi réaliste que possible. Donc, je pense que, en fait, on va certainement faire un sous-sol ici pour l'histoire du feu. Il y aura la salle là pour se réchauffer, se détendre, se baigner et tout. Et après, une partie un peu vestiaire comme ça, je sais pas si je la sépare complètement, puis qu'après on fait une espèce de chemin où on rentrerait, on se baignerait, puis après on sortirait de l'autre côté. Ou si on fait juste une grande salle. Je pense que la grande salle est presque plus facile à faire. La grande salle pour changer. Mais enfin, après on verra en fonction de la place qu'on a. Hein. En tout cas, en ce qui me concerne, je vais vous laisser là-dessus. Je vais récupérer cette laine de mouton, si j'arrive. Non, comment on fait? Ah bah comme ça, ok, on tue le mouton, ça marche aussi. Puis on le mange. Voilà, je te tue, je te mange et je récupère ta laine. Et si t'as un problème, eh ben, tant pis pour toi. Ok, sur ce, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire. J'essaie de tous les lire si possible et d'y répondre. Si possible, oui, c'est possible, même si, ben voilà, ça peut ne pas être immédiatement, puisque j'ai toujours ces petits soucis avec mon temps disponible, tout simplement pour moi, hein. C'est clair que malheureusement, je peux pas mettre la priorité sur Mindtest, ni sur n'importe quel autre jeu d'ailleurs. Je peux pas le faire, c'est juste pas décemment possible si je veux réussir mes cours, surtout qu'apparemment. Je risque d'être très limité par rapport à des anciens résultats que j'avais eu à d'anciens cours. Et donc, je dois faire une note qui est celle juste en dessous de juste en dessous de la note maximale si je veux passer l'année. Si je passe pas mon année, ma formation universitaire est terminée. C'est tant pis pour moi, au revoir. Donc, j'ai pas le choix, je dois réussir. Voilà. Et puis moi, je vous dis... Mon Dieu, je pensais que c'était F5. C'est peut-être F5 dans Minecraft, mais je ne joue pas à Minecraft, promis. Enfin bon, voilà. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.